chaque période. Puis c'est 7 à 1 pour les Sags en deuxième lorsque la frustration s'empare des remparts. Tous les joueurs sur la glace sont impliqués dans une bagarre. Jonathan Roy, qui est venu dans le match en relève à défausser, aimerait bien lui participer à cet échauffouré, mais il est retenu par un arbitre. Roy échappe finalement à l'attention de l'arbitre et il attaque sauvagement Bobby Nadeau. Le gardien de Chicoutimi ne répond pas, il tente plutôt de se protéger. Puis une fois son combat terminé, le fils de Patrick Roy y va de deux doigts d'honneur à l'endroit de la foule. Sébastien Rioux n'apprécie pas du tout, il jette aussi les gants face au gardien. Et comme il ne reste que 27 secondes à jouer en deuxième, l'arbitre qui décide d'envoyer les deux équipes au vestiaire dans un véritable match de fou. Chicoutimi qui va finalement l'emporter. Les Saguenayens de Chicoutimi ont créé l'égalité 1 à 1 dans leur série qui les oppose aux Remparts de Québec grâce à une convaincante victoire de 10 à 1 dans le deuxième match de la série. Toutefois, au-delà du résultat, ce sont les incidents survenus en fin de deuxième période qui vont faire jaser et retenir l'attention. Avec 28 secondes à écouler au deuxième engagement, le gardien auxiliaire des Remparts, Jonathan Roy, a quitté son filet pour aller attaquer le gardien Bobby Nadeau des Saguenayens. Un geste gratuit, un geste dangereux, commandé par le banc des Remparts et son père, Patrick. Non, moi j'ai bien aimé ça. Tu regrettes absolument rien? Non. Quand tu es reparti le premier coup, tu es revenu après, Patrick, t'as fait signe d'y aller? Non. Pat m'a dit, hey, calme-toi. Il m'a regardé, il dit, calme-toi. Fait qu'il dit, je m'ai dit, il veut pas que j'y aille, Puis là, le ref m'a laissé aller. Là, j'ai dit, c'est bien, mange, j'y vais. Fait que Jonathan qui traverse la glace puis qui saute sur l'autre gardien qui veut pas se battre, c'est correct ça? Le gardien de but, là, au bord, remontait à la ligne bleue. C'est lui qui est arrivé en premier. Après, s'il monte à la ligne bleue, puis après ça, il décide de pas y aller. Ça, je peux pas contrôler mes joueurs là-dessus. Là. Une fois qu'ils sont dans le feu de l'action, fait partie de la game. Désolé. Mais tu as fait signe à ton gardien d'y aller, par exemple? Non, je n'ai jamais fait signe. Moi, en tout cas, je faisais signe en haut, mais je pas directement à mon gardien de but. Parce qu'à l'écran, on voit bien ça. Je suis surpris. Jonathan, c'est un bon kid. Là, il a joué au midget 3A, puis on l'a suivi une année. C'est une bonne personne. On était surpris de son geste. Et c'est... ça s'est fait drôle. Patrick était un petit peu dur, hein, il l'a un peu forcé à y aller. Ah ben j'étais surpris. Surpris de voir que ce soit son père qui le casse surtout. Je sais pas, des fois en gardien de but, je pense qu'on aurait peut-être plus à avoir de respect que ça, mais non, j'étais surpris. La Ligue junior majeure du Québec attendra le rapport écrit des officiels et revisionnera le fil des événements pour voir s'il y aura d'autres sanctions. Il y a fort à parier que des suspensions seront annoncées avant le troisième match de cette série qui sera présenté mardi soir à Québec. Match qui sera télédiffusé sur les ondes de RIS. Stéphane Leroux à Saguenay.